Nous, on est un espace public numérique qui existe sur le territoire depuis 2009. Et notre objectif, c'est de développer un maximum d'actions en direction de tous les publics sur le territoire. L'appel à initiative de Sapiens, c'était intéressant puisqu'on pouvait toucher un public que jusqu'à présent, on n'a pas eu l'occasion vraiment de toucher, c'est-à-dire un public bien spécifique dans le milieu de l'action sociale. Et ça nous permet aussi de travailler en duo avec des collègues du service intercommunal d'action sociale. Donc on a développé une action bien ciblée sur un public bénéficiaire du RSA. On leur donne la possibilité de se retrouver dans un premier temps pour échanger et puis faire connaissance autour d'un café, quelque chose de convivial, et dans un deuxième temps pour s'initier à l'informatique, puisque de toute façon ça devient indispensable maintenant de savoir utiliser l'outil. Parce que je ne sais pas du tout me servir d'un ordinateur, ni la fonction. C'était le genre de choses que je ne pensais pas y arriver déjà, et puis je ne pensais pas que c'était pas pour moi, quoi. À mon âge, 61 ans, je sais bon. Les personnes que j'accompagne dans le cadre du RSA, il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas du tout les outils informatiques, donc c'est une bonne opportunité pour leur permettre d'y avoir accès et aussi de pouvoir maîtriser les sites institutionnels et faire leurs démarches administratives. Ça fait du bien déjà d'être là, de voir du monde déjà et puis d'apprendre. C'est toujours intéressant d'apprendre de toute façon. C'est convivial en plus et puis parce que toute seule, moi, j'y arriverai pas, ça c'est certain. C'est un autre cadre, ça permet d'avoir un temps d'échange, une autre relation avec les bénéficiaires, donc c'est intéressant. On a un outil formidable, l'espace Cyberbase. Notre objectif, c'est de vraiment en faire profiter à tout le monde, mutualiser au maximum la chance qu'on a d'avoir cet outil.